Il y a deux études de cas présentées par Société Budget au travers d'Internet Marketing cette année. Une première, effectivement, qui concerne la sécurisation de l'emailing transactionnel. Dans ce grand bouleversement donc, d'Internet, il ne vous a pas échappé, vous et moi, que dans le cadre de la dématérialisation des billets, dans le cadre de la dématérialisation des factures, l'emailing transactionnel avait pris toute sa place, et une place prépondérante, et qu'il était évidemment très très important pour les entreprises et les clients de sécuriser les envois en temps réel de toute cette documentation, du suivi des commandes, des achats, etc. Et donc notre contribution au travers d'Internet Marketing était ici de vulgariser tous les protocoles nécessaires à la compréhension de la sécurisation des mails transactionnels qui est, et c'est une surprise puisque ce n'est pas le premier avis qu'on peut avoir de l'emailing, qui est le canal le plus sécurisé qui soit. Et donc voilà, on souhaitait avertir le marché, nos clients potentiels et nos prospects de tout ce potentiel de l'emailing transactionnel. Le marché pour Mailjet, qui est le marché donc de l'emailing, marketing et transactionnel, a été jusqu'alors, on va dire, très concentré sur la course aux features, c'est-à-dire à toutes les solutions techniques et fonctionnelles. Et nous pensons, Mailjet, que l'avenir du marché dans les prochains mois et dans les années à venir va tourner autour des prestations de services et d'accompagnement pour aider les entreprises à améliorer le ROI de leur campagne et les aider à avoir une meilleure, de meilleurs résultats et une meilleure délivrabilité. Et c'est en ce sens donc que Mailjet s'organise pour apporter les meilleurs services et l'accompagnement nécessaire. L'Internet marketing, pour moi, c'est une valeur référence depuis 15 ans dans le domaine de l'e-business et de la révolution Internet. C'est l'occasion pour les dirigeants d'entreprise que nous sommes de sortir un peu la tête du guidon et de partager les grandes innovations, les bonnes pratiques, les case studies, c'est-à-dire de manière assez factuelle, les success stories sur le marché. Je trouve que c'est une valeur formidable pour les entreprises de se renouveler, de se remettre en cause. Alors mon slogan d'une phrase, pour y avoir un tout petit peu réfléchi, j'utiliserai un vieil adage qui est que quand deux personnes échangent un euro, elles repartent chacune avec un euro, mais quand deux personnes, deux organisations échangent une bonne idée, elles repartent chacune avec deux idées. Voilà, je pense que c'est toute la valeur d'Internet Marketing aujourd'hui.